Bonjour, c'est par un vent déchaîné que n'importe quel bateau ne pourrait supporter que j'essaye pour la première fois le Jean sur le magnifique plan d'eau de Thillet-le-Péneux. Et le pilote est bien sûr le réalisateur, Jean-Paul Bourdilla, alias JPB, qui a tout fait sur ce bateau, même la refonte de la partie coque, puisque sa machine, c'est évident. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous faire une démonstration ? Malgré le vent, le bateau doit peser une bonne vingtaine de kilos, mais je l'ai pas mis sur la balance. Il tourne aux environs de 2 mâts. Et je vous laisse remarquer. La puissance de cette machine. Bon, le vent est vraiment terrible, j'espère que le micro ne sera pas. La pompe fait son effet, nous l'avons vérifié, nous avons navigué quelques minutes superstructure enlevée. Ça c'est parce que tu laisses le doigt sur le sifflet. Tu laisses le doigt sur le sifflet. La 116 mm quadripal prop shop. T'es à fond là ? Non, non. Parce que voilà. Le brûleur est en fait un 450 grammeur et non pas un 350 grammeur comme je le disais tout à l'heure. Et nous allons essayer de ralentir un peu pour nous mettre au ralenti pour voir s'il, comme tout à l'heure il s'est fait souffler par cette tempête, hein, nous tenons notre ralenti au régulateur. Nous régulons vers 3 barres à peu près, c'est ça Jean-Paul ? 3 barres et demi. 3 barres, 3 barres et demi, bon. Là tu vas tout doucement là. Tu vas essayer une marche arrière pour voir ? Il veut pas la passer ? Il l'a prise là ? Ah, petit souci. Nous avons un petit point dur au niveau de la... C'est le point dur, on est tombé dessus. J'ai un petit point dur au niveau de la coulisse de Stephenson. Bon, ben voilà. Le bateau, heureusement, n'ira pas bien loin, puisque le vent va nous le rapporter. Comme quoi, En plus, j'ai une sécurité gaz, donc il n'y a pas de souci. Mais il ne veut pas redémarrer. Hein. Il faudrait que le vent nous le ramène et que... Bon, de toute façon, il y a un régulateur, donc je m'en fous un peu. Mais... Et puis, j'ai une vanne coupe basse, si vraiment... S'il veut bien taper dans le mur, peut-être que ça va le débloquer. Non. Bon ben les amis, je vais vous abandonner parce que je vais aller chercher mon bateau. À bientôt.